thématique d'accueil. On l'a annoncé, vous le savez, ce conflit israélo-palestinien. L'Afrique devrait-elle s'en inquiéter? L'Afrique devrait-elle s'en intéresser? En tout cas, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a des réactions des chefs d'État africains. Alors, je vous propose de planter le décor avec cet élément. Ensuite, on revient sur le plateau pour en parler, bien évidemment. Le continent africain n'est pas resté insensible face à ces nouvelles tensions entre Israéliens et Palestiniens. Si du côté du bloc occidental, les condamnations revêtent la politique du deux poids deux mesures, en Afrique, c'est l'appel à la désescalade qui domine. Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a demandé aux deux parties de revenir sans condition préalable à la table de négociation pour mettre en œuvre le principe de deux États vivant côte à côte. Une position similaire à celle du président kényan William Ruto, qui maintient fermement que rien ne justifie le terrorisme qui constitue une menace grave à la paix et à la sécurité internationale. Le Kenya appelle également à la désescalade de la violence et exhorte toutes les parties à s'abstenir de toute nouvelle action militaire. Autre prise de position attendue, celle de l'Égypte. Le Caire a mis en garde contre les graves conséquences d'une escalade de tensions entre Israéliens et Palestiniens dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Il appelle à faire preuve d'un maximum de retenue et à éviter d'exposer les civils à un danger supplémentaire. L'Égypte, voisine d'Israël, est médiateur incontournable à chaque nouvelle flambée de violence entre Israël et Gaza, avec laquelle elle partage aussi une frontière, a été le premier pays arabe à normaliser ses relations avec Israël en 1979. De son côté, l'Afrique du Sud a appelé avec fermeté à la cessation des hostilités entre Israël et Palestine. Pour Pretoria, qui défend depuis de longues décennies la cause palestinienne, la nouvelle conflagration est née de l'occupation illégale continue des terres palestiniennes, de l'expansion continue des colonies, de la profanation de la mosquée d'Al-Aqsa et des lieux saints chrétiens et de l'oppression continue du peuple palestinien. Même son de cloche pour l'Algérie. Un autre soutien de taille pour la cause palestinienne. Alger dit suivre avec une grande préoccupation l'évolution des agressions brutales israéliennes contre la bande de Gaza et réitère sa demande pour une intervention immédiate de la communauté internationale à travers les instances multilatérales concernées afin de protéger le peuple palestinien de l'oppression et des crimes qui caractérisent le colonialisme israélien. Pour finir, le Sénégal prend lui l'initiative en poussant pour une résolution pacifique de ce nouvel affrontement. Dakar, par la voix du ministère des Affaires étrangères, se dit gravement préoccupé par la reprise des hostilités dans le conflit israélo-palestinien, condamne les attaques à l'origine de cette nouvelle spirale et demande, en sa qualité de pays qui préside le comité des Nations Unies, la nécessité de raviver au plus vite les négociations entre les deux parties pour parvenir à deux États indépendants. Merci bien sûr en Guinée pour ce reportage. Parvenir à deux États indépendants, de toutes les façons, c'est entre autres les solutions qui sont proposées par ces États-là qui s'intéressent bien sûr ou alors qui réagissent en ce qui concerne ce conflit qui dure déjà, conflit israélo-palestinien, patient par fin d'homme. L'Afrique qui a donc réagi, vous avez suivi, il y a plusieurs pays, surtout également du Maghreb, Maroc, Algérie, Égypte. Mais il y a également d'autres pays d'Afrique subsaharienne. On a suivi tout à l'heure le Sénégal, sans compter la grande institution panafricaine, l'Union africaine. Mais ce qu'on retient, entre autres, c'est qu'on a quand même l'impression que on soutient un peu plus la Palestine qu'Israël. Est-ce qu'on pourrait comprendre pourquoi? Pourquoi est-ce que l'Afrique également se positionnerait de cette façon-là, tout en rappelant qu'au dernier sommet, par exemple, de l'Union africaine, on se souvient qu'une délégation d'observateurs israéliens avait été, bien sûr, expulsée de ce sommet. Alors, est-ce que l'Afrique est déjà en train de prendre position? Si oui, pourquoi? Non, je pense que la prise de position de l'Afrique en général, cela oui. Irait dans le sens de la calmie.
D'accord. Et d'un retour à la diplomatie, que c'est sur la diplomatie qui prend le pied oui. sur la confrontation armée que nous voyons là, pour enfin peut-être remettre sur la table la question de la résolution de ce conflit dans le fond. Parce que ce conflit dénote une chose simple. Oui. C'est l'échec de l'ONU. L'ONU a complètement échoué pour résoudre ce conflit qui date pas d'aujourd'hui, qui pas date du tout. Même avant 48 en réalité. Oui. Et vous savez que l'État d'Israël est une pupille de l'ONU en réalité. Donc okay. l'ONU ne s'est pas investi à fond pour régler définitivement cette question. Donc la solution, tout le monde le sait aujourd'hui, doit être une solution de deux États avec Jérusalem comme capitale, ce que rejette tout à fait. Totalement le camp israélien. Pire encore pour le camp israélien. Vous savez que c'est entre, je crois, 2003, 2007 ou bien 2008, mes souvenirs sont bons, que la oui. bande de Gaza est occupée par le Hamas. Oui. C'est un blocus total sur le Hamas depuis pratiquement 15 ans. Mm. Sur la bande de Gaza, je veux dire. Depuis 15 ans, c'est un blocus total. Oui. Avec des escarmouches et des assassinats des citoyens gazaouis ou presque quotidiens. Oui. De janvier de cette année 2023 à ce mois-ci, on a décompté 250 tueries, assassinats dans la bande de Gaza par l'armée israélienne. Mais il n'y a pas que ça. Il y a que dans l'espace israélien qui reste, il y a ce qu'on appelle les colonies de peuplement. J'allais dire palestinien, de manière continue et méthodique, il y a un grignotage de l'espace territorial qui était réservé à la Palestine par les colons israéliens. Ça pose une question d'injustice qui ne peut pas être acceptée par les nouvelles générations. Et alors là, il y a les États-Unis, en faisant de paix dans le monde, oui. qui n'ont pas su prendre leurs responsabilités pour en réalité pousser les autorités israéliennes à aller vers la table de négociation. Et nous savons déjà, presque tout le monde entier avait applaudi, avec les accords de Oslo, qui ont été foulés aux pieds, qui ont été complètement déchiquetés par les autorités israéliennes, qui n'hésitent pas de dire, et tel que c'est parti, qu'ils vont faire subir au peuple, par exemple, gazaoui, excusez-moi l'expression, n'est-ce pas, un véritable enfer. Et là, ça a commencé. Dans cette situation d'impérialisme, les États-Unis sont derrière Israël. Par... Mais les États-Unis viennent de déployer le plus oui. grand porte-avions militaire au monde pour aller soutenir Israël. Les États-Unis ont décidé d'envoyer des munitions à Israël. Et je peux vous dire, c'est vraiment les portes de l'enfer qui sont oui. ouvertes pour Gaza, avec les bombardements. Et j'espère que la réalisation va nous les montrer tout à l'heure. C'est un véritable enfer, un véritable enfer actuellement au niveau oui. de Gaza. D'accord. Mais oui, nous condamnons toutes les actions terroristes. Mm. Donc même cette action-là qui a été posée par les militants de Hamas est condamnable. Mais elle est condamnable, mais elle peut être, se comprendre. Parce que ces gens, ils n'ont plus, ils n'ont plus de solution. Oui. Parce qu'ils ont l'impression que le monde entier regarde indifférent à l'extermination de leur peuple, à cette espèce de prison à ciel ouvert qui leur est consacrée. Et que, bon, le monde regarde ailleurs. Le monde regarde ailleurs, le monde applaudit quand il y a des tentatives de conciliation pour nouer des relations diplomatiques, par exemple, entre Israël et le Maroc, oui, entre Israël, comme c'était le cas récemment avec l'Arabie Saoudite. Oui. Je pense que cette guerre et la réponse disproportionnée d'Israël par rapport à ce qui s'est passé va peut-être mettre une houla à cette propension, à cette différente réconciliation diplomatique qui était en vue d'être faite. Mais pire encore, elle risque de créer une solidarité, j'allais dire un mur compact de solidarité autour de la cause palestinienne qui tendait à être reléguée, n'est-ce pas, au calendrier grec. Et malheureusement, les gens meurent, les enfants meurent, les gens sont pris en otage. Il faut que la communauté internationale, dénuée de toute hypocrisie, puisse s'occuper valablement de cette question-là, pour qu'on puisse avoir une situation de deux États qui vivent en parfaite intelligence. Écoutez, beaucoup d'analystes, dont moi, nous ouais. sommes censés d'avoir un penchant pour le faible que la Palestine, ouais. alors que s'ils avaient consenti d'accepter un espace avec deux États ouais. qui cohabitent côte à côte, la moindre petite escarmouche en termes d'attentats terroristes de la part de Hamas devait avoir une unanimité du point de vue de la condamnation. Mais là, les gens se posent la question de savoir, mais pourquoi pas?
Est-ce que c'est seulement aujourd'hui qu'on vous rendez compte qu'il y a un problème et que Entre les deux. ce groupe Oui. Armé peut faire quelque chose? L'instrumentalisation de ce groupe à l'Iran ne marche plus. Et ne marche plus, d'autant plus que les gens voient clairement qu'Israël a fait la sourde oreille, a refusé d'accepter une quelconque négociation politique pour qu'enfin on puisse mettre fin à cette guerre-là. Oui. La colonisation de l'espace palestinien continue. Et les colons israéliens ne s'en cachent pas. Les villes qui ont été attaquées en premier sont des villes justement où les gens ont appliqué tout cette à colonisation-là. Fait, tout à fait. Donc je crois sincèrement que nous sommes là face à quelque chose de très 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 dangereux. Si on voit l'Égypte qui réagit, n'est-ce pas, en juin, n'est-ce pas, les négociateurs oui. de milieu, c'est parce que déjà en le Égypte, Maroc. Il y a déjà eu des effets. Il y a un policier qui a abattu des Israéliens avec un Égyptien. Ça veut dire que ça peut déborder sur le camp égyptien. Et n'oublions pas que les opinions arabes sont complètement vent debout et sont solidaires de la cause palestinienne. Tout à fait. La réaction de Kenya est aussi compréhensible. N'oubliez pas qu'il y a eu des attentats à Nairobi. N'est-ce pas, oui, à un moment donné, je pense, oui. avant les attentats de 11 septembre. Oui. Donc, pour moi, c'est quelque chose de terrible qui se passe parce que là, la conscience humaine et la volonté humaine est incapable de résoudre un problème humain dans le cadre d'apporter la paix dans le monde. Et une fois de plus, nous demandons, nous les panafricains, oui. qu'il y ait une désescalade. Et que les gens reviennent à la table des négociations. C'est seulement comme ça que ce cortège d'horreur pourra prendre fin. Mais pensez que parce qu'on est fort, parce qu'on est puissant, parce qu'on peut tout se permettre. D'ailleurs, cette opération a démontré que quelle qu'en soit votre capacité de force, de puissance, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une raquette qui soit trouée. Et les jeunes de Hamas l'ont prouvé que malgré le Shin Bet, malgré le Mossad, malgré le dôme de fer, malgré tout ce qu'on nous a tant vanté de la capacité d'Israël de contenir, n'est-ce pas, et d'assurer une sécurité permanente et continue dans son espace, voilà ce qui s'est passé. C'est inédit. C'est une véritable gifle contre ce construit, j'allais dire ce narratif qu'on nous a tant vendu, qui prouve que quand un peuple est décidé, surtout quand il se bat pour sa justice, rien ne peut l'arrêter. C'est ce que nous constatons un peu partout dans le monde aujourd'hui. Merci à vous, patient Parfendon, président Matomba, votre avis également sur notre thématique d'accueil, l'Afrique qui réagit. Vous avez suivi la réaction de tous ces États africains. Plus ou moins, on appelle quand même à justement à ce que les armes puissent se taire et qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Mais la place de l'Afrique, on se demande, est-ce que l'Afrique devrait s'intéresser, selon vous, à ce conflit? Bien évidemment, vous avez vu la position de ces pays africains qui oui. tendent tous plus ou moins vers la même position. Tout à fait. Il faut savoir que les Africains sont sa cible à la cause des faibles. Oui. Parce que l'Afrique aujourd'hui, malheureusement, est considérée comme un des pays faibles. Du coup, l'Afrique se sent beaucoup plus sensible à la position, n'est-ce pas, des Palestiniens. Il ne faut pas perdre de vue, Madame Sike, qu'il y a quelques jours encore à l'Assemblée générale des Nations Unies, dans les discours de la plupart des chefs d'État africains, plusieurs ont redemandé une reconnaissance de l'État palestinien. Tout à fait. Il ne faudrait pas perdre de vue cela. Il oui. ne faudrait pas perdre de vue qu'il y a le dernier sommet de l'Union africaine, la Palestine était invitée Tout à fait. Prendre part en tant qu'observateur à ce sommet-là. Et Israël s'est invité et a été refoulé oui. En Éthiopie. Donc, il ne faut pas perdre de vue que cette approche des Africains vis-à-vis d'Israël vient du fait que Israël soit, n'est-ce pas, non seulement considéré comme le côté faible de l'histoire, mais c'est une guerre qui injustement dure depuis plusieurs années. Ouais. Et malheureusement, l'ONU a pris position depuis toujours concernant cette guerre. Parce que l'ONU qui devrait servir, n'est-ce pas, de base pour la résolution de ce conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies, a pris position pour Israël. Vous avez vu toutes les demandes. Il y a eu plusieurs pays qui sont même allés jusqu'à reconnaître la Palestine comme étant un pays. Et l'ONU tarde à se prononcer. Mieux, hier encore, si vous avez suivi la position américaine, les Américains ont dit, Joe Biden, en l'occurrence, il a clairement dit que le soutien
à Israël est inscrit sur du marbre. C'est-à-dire que c'est un soutien indéfectible. Quel que soit ce que Israël fait, les États-Unis sont pour la preuve. Vous avez vu, ils ont tout de suite envoyé le porte-avions. Mais ce qu'ils n'ont pas fait, contrairement, ils ont poussé l'Ukraine dans une guerre et ils n'ont pas pu envoyer leur porte-avions de ce côté-là. Ils envoient parce qu'ils se disent que la Palestine ou alors la bande de Gaza sera complètement anéantie. Et si vous avez suivi le discours du premier ministre israélien, il a demandé aux Palestiniens de quitter la bande de Gaza, de Gaza parce qu'ils vont complètement raser. Mais lorsqu'il le dit, c'est au vu, au su de tout le monde et des Nations Unies. On va nous dire que bon, voilà, il y a des réunions qui sont convoquées là en urgence aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, mais pour aboutir à quoi à la fin? Pour aboutir à ce qu'on a vu, qu'on demande au président palestinien de demander que lui, c'est lui qui doit plutôt demander à son peuple de se calmer. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. On lui demande à lui de demander à son peuple de se calmer. Ce peuple qui, depuis toujours, se sent martyrisé et qui, pour lui, n'a plus de moyens de recours. Parce que bien que plusieurs États ont décidé de reconnaître la Palestine comme un État souverain, l'ONU n'a pas validé cela, cette thèse. Donc, qu'est-ce qui reste aux Palestiniens, Madame Sikey? Il ne reste que une défense, une autodéfense. Parce que c'est ce qui se passe. Maintenant, on voudrait justifier le fait que l'opération se soit passée parce que la Palestine a attaqué. Ben, le Hezbollah a dit qu'ils ont attaqué depuis le Liban. Tout à fait. Avec la qualité du renseignement que Israël a, dont nous ne doutons pas de la... directement au Hamas. Ne viendrait pas directement du Hezbollah, puisque le Hezbollah a même revendiqué les attaques. Le Hezbollah dit, c'est nous à partir du Liban qui avons attaqué, ben vous décidez. Et si c'était tout un coup monté, si c'était bien planifié, si c'était quelque chose qui ne venait même pas, n'est-ce pas, des Palestiniens. Parce qu'en même temps, il ne faut pas oublier que les Israéliens, je suis désolé de le dire, ont le contrôle sur la planète Terre. Vous savez qu'en France, vous ne pouvez pas parler des Israéliens n'importe comment. Aux États-Unis, on ne parle pas des Israéliens n'importe comment. Les Juifs, pour que les téléspectateurs... Oui, des Juifs. On ne parle pas des Juifs dans le monde entier n'importe comment. Si vous essayez un seul instant de parler très mal des Juifs, vous verrez ce qui va arriver pour la suite. Oui. Ils tiennent, si vous voulez, d'une façon ou d'une autre, les économies de tous ces pays. Oui. Ils dictent leurs lois. C'est pour cette raison que vous allez voir, même les médias, malheureusement, prennent position immédiatement. Regardez comment les sujets sont traités. Les Palestiniens sont tout de suite traités de terroristes. Sans appel. Sans appel. Est-ce que ces derniers revendiquent une cause juste pour leur peuple? On ne se pose pas des questions. On dit juste que les terroristes palestiniens ont attaqué. Et on voudrait que ce narratif soit adopté par tout le monde, par tous ceux qui à un questionnement pour nous les Africains surtout. Allez-y. Celui de quelle est notre position aujourd'hui dans le cercle du monde? Sommes-nous des faibles et des éternels faibles ou alors sommes-nous en train de nous préparer à devenir des forts? Parce que ici, on nous démontre que la loi est dictée par le plus fort. Parce que Israël aujourd'hui, qui serait le plus fort entre Israël et Palestine, décide d'écraser la Palestine, décide d'écraser la bande de Gaza. C'est ce que les Américains ont fait en Irak. C'est ce que la France a fait en Libye. Ils ont décidé un matin, ils ont dit on va attaquer, et ils ont attaqué parce qu'ils se sentaient forts. Ouais. Ben, et nous les Africains, est-ce que demain si l'un de ces pays dit bon je vais attaquer tel pays, nous avons les moyens de riposter? Et ça devrait nous pousser donc à commencer à construire une défense purement africaine. Et à développer. L'Afrique a droit à, pas une bombe atomique, à des bombes atomiques. L'Afrique a droit de s'investir dans le nucléaire et créer des armes pour sa défense. Parce qu'en réalité, pourquoi nous ne sommes pas compris? Prenez un seul exemple. Si demain la Russie dit à Israël arrêtez de bombarder
la Palestine. Parce que si vous continuez, nous, on va, vous allez voir qu'il y aura une sorte de... Le conflit va un peu baisser. Oui. Il va un peu baisser et on va dire pourquoi, de quoi la Russie se mêle. Vous comprenez un peu? Oui. Si la Chine prend position, vous verrez que le conflit va changer. Mais si l'Afrique, avec tous nos beaux discours là, on va dire oh, des escalades, vraiment allons vers la désescalade. Mais qui écoute l'Afrique au juste? Qui écoute l'Afrique? Personne n'écoute l'Afrique. On sait que bon, vous allez tenir vos discours et plus rien. Donc, ce conflit, nous devons tirer des leçons. C'est un conflit qui dure depuis plusieurs années. Ce n'est pas un conflit d'aujourd'hui. Mais est-ce que nous devons continuer à suivre ce conflit comme si nous suivons un coup de théâtre? Ou alors, ça devrait nous renseigner sur notre position nous-mêmes en tant qu'Africains, sur notre position en tant que partisans du monde. Si, est-ce que ça ne devrait pas renforcer notre capacité d'aller vers une défense commune africaine qui nous permettrait demain de parler fort, n'est-ce pas, dans ce monde? Merci à vous, Président Matomba. Et c'est là qu'on referme la thématique. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.